Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Son of the Forest, puisque j'ai fini Son of the Forest. On l'a fini en coop avec Sofiane. Alors j'en profite pour placer ma chaîne gaming que je mettrai dans la description bien évidemment, puisque vous allez pouvoir retrouver le let's play complet de A à Z sur cette chaîne. Donc ça se passera en 5 épisodes. C'est 5 épisodes qui font une heure à peu près. Bien sûr, sans compter le premier épisode que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Donc on a mis à peu près 6 heures pour finir le jeu. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup 6 heures, vous allez me dire, mais en même temps, on n'y a pas joué de la meilleure façon qui soit. D'ailleurs aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 petits tips histoire d'améliorer votre expérience de jeu, histoire de ne pas gâcher votre expérience, comme nous on a pu la gâcher. Alors attention, hein, je dis on a gâché notre expérience de jeu, mais je vais mettre vraiment ça entre de grosses parenthèses, puisque au final on a vraiment passé un bon moment sur le jeu. C'est pas un mauvais jeu en soi. C'est pas non plus le meilleur jeu de survie qui va révolutionner tous les autres jeux de survie. Alors c'est clair que ce sera pas le GOTY de l'année 2023 en termes de jeux de survie les mecs, hein, mais en même temps, bon, c'est une early access, ça ok, on est d'accord. Le jeu va être amené à avoir des évolutions dans le temps, hein. D'ailleurs il y a une prochaine mise à jour qui va arriver dans quelques temps, là dans pas très longtemps. Bref, tout ça on va en parler dans la vidéo, je vais vous donner 2-3 petits tips histoire d'améliorer grandement votre expérience de jeu. Et vous allez voir que le jeu est franchement pas si mauvais que ça, les mecs. Sur Son of the Forest, il y a vraiment une grosse base qui est posée. Maintenant, reste de l'amélioration à voir. Je pense que vous vous rappelez tous de The Forest, premier du nom, qui est sorti en 2018. Le jeu a mis 3 ans à être développé pour arriver en version finale, sortir sur console et tout. Donc, n'espérez pas voir Son of the Forest dans son étape finale cette année, les mecs. Ça va pas être possible. Tous ceux qui sont sur console, n'espérez pas non plus le voir cette année sur console. Je pense pas. On le sait, en général, les jeux sortent sur les consoles quand ils sont en version finale, quand le jeu est terminé. J'en profite comme d'hab pour placer le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Vous le savez, les mecs, avec le petit code Jolat, ça soutient la chaîne tout en achetant vos jeux vidéo. Et vous y trouverez bien évidemment le jeu Son of the Forest et puis plein d'autres jeux. Bon, alors Son of the Forest, les mecs, il y a pas mal de choses à dire. Et puis en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un petit peu paradoxal tout ce que je vous raconte, hein. On va énumérer bien sûr les points positifs. Les points négatifs, il y a des bons points, il y a des mauvais points, des deux côtés, voilà, la balance est comme ça. Alors pour le moment, c'est vrai que la balance est plutôt comme ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur le jeu. Donc ça va être amené à être évolué, bien sûr, avec des nouvelles mises à jour et tout. Mais vous allez voir qu'avec les petits tips que je vais vous donner, on va rééquilibrer la balance pour obtenir vraiment un bon jeu. Plutôt pour obtenir une bonne expérience de jeu. Je vous propose tout de suite de commencer par les points positifs du jeu. Alors c'est vrai que bon, graphiquement les mecs, hein, ça n'a rien à voir avec le premier, c'est pas le même moteur graphique. Bon après on est en 2023, encore heureux, c'est normal. Ça tourne sous le moteur graphique Unity, c'est pas de l'Unreal Engine. Et c'est vrai que bon, tout de suite les effets de lumière, les reflets, c'est vraiment photoréaliste les mecs. Hein. Les cavernes, quand vous rentrez dedans, il y a une ambiance qui est là. Les effets de la météo, quand tu vois les tempêtes, la pluie, vous allez avoir les saisons, le beau temps, l'automne, l'hiver. Vraiment tout ça c'est quelque chose qui va être l'effet wa. Vous voyez les cycles jour et nuit, les cours d'eau, les cascades, les panoramas sont super jolis. Tu sens que la map est vivante, tu sens que ça bouge dans le jeu. Et vraiment tout ça, l'ambiance du jeu en général en soi, c'est vraiment l'effet qui va te faire dire waouh. Donc clairement, dans les points positifs, je mettrai l'ambiance du jeu et les graphismes. Mais ce n'est pas tout. Également, les animations ont été travaillées au niveau des crafts, au niveau des constructions. Tu sens que tout ça, ça a été travaillé au développement. Après tout ce que je vous énumère là en points positifs, on parle bien sûr d'un aspect visuel globalement du jeu. Après, il y a le nouveau système de construction qui est franchement pas mal. C'est un système de construction que je qualifierais un petit peu, entre grosses parenthèses, les mecs, hein, bien sûr, hein, à la Minecraft. Donc, ça va être du bloc par bloc. Tu vas pouvoir construire ta base, tu vas pouvoir te faire une forteresse, vraiment comme tu veux, en posant tes bûches de bois un petit peu dans le sens que tu veux. Tu vas pouvoir couper tes bûches de bois un petit peu comme tu le veux, histoire de te faire des planches spéciales pour faire des planchers, des décorations, des étagères, des tables, des chaises, tout ce que vous voulez. Tu sens que c'est assez fourni. Au niveau construction, bien que ça pourrait être amélioré, encore plus fourni, on est d'accord, mais ça va venir, je pense, avec le temps. Mais on a déjà une bonne base par rapport à The Forest premier du nom. Alors, je tiens à préciser quand même que dans cette vidéo, les mecs, vous n'aurez pas de spoil majeur. Hein, je vous laisse la surprise, bien évidemment, bien qu'il n'y a pas non plus tant de spoil que ça, au final, dans ce jeu. Et du coup, on va rebondir tout de suite sur les points négatifs du jeu, hein, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être rajouté, tout simplement. Mais de toute façon, je n'ai aucun doute que ça va venir se rajouter au fur et à mesure du temps, hein. Vous savez, The Forest 1, il est sorti en 2018, il a été finalisé en 2021, je crois. Il a mis 3 ans quand même à sortir en version finale. Donc, laissons le temps à Son of the Forest de se faire une petite place dans le game de survie. Et pourquoi pas, par la suite, peut-être devenir la référence des jeux de survie. Pourquoi pas. En tout cas, il y a une super base qui est posée. Maintenant, reste aux développeurs à taffer sur le jeu. Les points négatifs du jeu, les mecs, c'est que la map est assez vide. Voilà. Elle n'est pas non plus si grande que ça. Je vous assure, vous avez un effet wa.
selon le spawn où vous arrivez. Quand vous arrivez juste tout en haut de la montagne ou tout en bas sur la plage, vous retournez, forcément, vous voyez le panorama et là, vous faites « Ah ouais, ça a l'air gigantesque et tout ». Pas tant que ça, au final. Je vous assure, pas tant que ça. Vous avez beaucoup de randonnées simulator. Alors, le jeu se fait vraiment d'une traite. Si vous suivez les points sur le GPS, c'est sûr que si vous dites « Ok, le GPS te dit « Tu vas là, tu vas là, tu vas là », toi, tu le suis, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Forcément, allez, en 3-4 heures, c'est plié, basta. Vous avez torché le jeu, les mecs. Mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer si vous voulez vous faire une bonne expérience de jeu. Vraiment. Là, si vous partez comme ça, vous allez gâcher votre expérience de jeu. Vous allez vous dire, ouais, ok, d'accord, le jeu, il est super rapide. En fait, même vous allez vous dire, le jeu, il est nul. Mais dites-vous bien, les mecs, que si vous faites comme ça, c'est vous qui gâchez votre expérience de jeu. Parce que Son of the Forest, c'est loin d'être un mauvais jeu, les mecs. Personnellement, avec Sofiane, on a rushé la quête principale comme des idiots. Alors attention, on a pris notre temps tout de même. Voilà, on a pris le temps de faire une petite base, machin, nana, faire un petit truc ou quoi. Même si c'est totalement anecdotique, les mecs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de construire une base pour finir le jeu, je vous assure. Hein. Si vous suivez les points sur le GPS, c'est trop facile. D'ailleurs, si vous voulez du challenge, les mecs, ne faites pas le jeu en pacifique ni en normal. Tu vois, passez directement en difficile. Sinon, c'est trop facile. Et du coup, c'est vrai que si vous rushez les points, et je vous dis, en 3-4 heures, les mecs, vous avez torché le jeu, c'est fini. Au niveau de la faune et de la flore, ça pourrait être beaucoup plus fourni, surtout au niveau de la flore, parce que les mecs, je vous dis, à part ramasser 2-3 baies, 2-3 murs, que tu vas même pas grailler tout au cours de ton aventure, c'est tout. Voilà, c'est tout pour les collectibles. Voilà, 2-3 marguerites que tu vas prendre par-ci par-là, je m'en suis même pas servi. Au niveau de la faune, tu sens que c'est un petit peu plus fourni que le 1 tout de même. Il y a plus d'animaux dans la forêt, tu sens que c'est un petit peu plus vivant. Bon, tout ça, c'est aussi grâce au moteur graphique Unity. Hein. Je veux dire, tu sens que la forêt est plus vivante. Tu vois, c'est vrai que c'est magnifique hein, quand t'as les tempêtes et tout, la pluie. Tu vois les arbres qui vacillent et tout avec les saisons. T'as l'automne, t'as les feuilles qui tombent et tout. Ça, c'est vraiment magnifique, les mecs. Mais là, du coup, je reviens sur les points positifs et je vous énumère pas les points négatifs. Au niveau de la map, c'est vrai qu'elle est pas totalement fournie, les mecs. Elle est même assez vide, j'ai envie de dire. Vous allez avoir peut-être une dizaine de points d'entrée et de sortie de caverne. Alors, quand je dis une dizaine de points d'entrée et de sortie, c'est qu'au final, vous allez avoir peut-être 3-4 cavernes, grand maximum 4-5 peut-être, tu vois, voilà. Mais avec des points d'entrée et des points de sortie différentes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer dans une caverne, traverser la map et sortir à l'autre bout de la map sur une sortie de caverne. Les grottes sont assez vides, mais il n'y a pas non plus grand-chose à ramasser au niveau du loot. Au niveau de l'histoire, alors ben, il n'y a pas d'histoire les mecs, hein. L'histoire est inexistante dans Son of the Forest. Hein. Vous avez 3 cinématiques, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas, hein. Mais vous avez une cinématique de début, une cinématique aux 3 quarts et une cinématique à la fin. 3 cinématiques qui n'ont vraiment ni queue ni tête. Alors, la première cinématique, éventuellement, pour poser le contexte, tu vois ce que je veux dire? Ça, ok, d'accord. Par contre, les 2 autres cinématiques, ça n'a pas de sens, les mecs. 2 autres cinématiques qui n'ont aucun sens. Tu ne comprends rien. Vraiment. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire est inexistante dans Son of the Forest. En tout cas, à l'heure actuelle, en son stade de développement. Alors, je sais, il y a des gens qui vont venir dans les commentaires me dire « Mais oui, mais c'est une early access, machin. » Je sais, c'est une early access. Moi, je vous parle juste du jeu à l'heure actuelle. En son stade de développement. Voilà, il n'y a pas d'histoire, les mecs. Alors après, je vous dis, il n'y a pas d'histoire, mais il est vrai que j'ai pas pris la peine de lire les petites fiches que tu peux trouver ici et là. C'est vrai que tu vas trouver pas mal de petites fiches qui sont en anglais, faudra les traduire. Alors, le jeu est en français, l'interface du jeu est en français, en revanche, les fiches que tu vas trouver sont en anglais. Et j'ai aucun doute que si tu prends la peine de lire toutes les petites fiches que tu vas trouver, eh ben, tu peux certainement en apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu. Voilà. Mais si vous ne lisez pas ces fiches, les mecs, je pense que vous n'allez rien comprendre à l'histoire. Il y a une petite base qui est posée pour l'histoire, mais c'est tout. Vraiment, l'histoire, elle est anecdotique. Elle sert à rien du tout. Il y a 3 cinématiques, histoire de dire, il y a 3 cinématiques et c'est tout. Au final, c'est 3 cinématiques qui servent à R, hormis la première qui va poser le contexte. Pareil au niveau des cannibales que vous allez trouver à l'extérieur et des mutants que vous allez trouver dans les cavernes, c'est pas très varié. Voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de monstres différents. Il y a peut-être 5-6 monstres différents, peut-être 7, tu vois, mais voilà, ils n'ont pas tout donné par rapport à ça. Au final, à son stade de développement, à l'heure actuelle, les mecs, hein, The Forest 2, c'est ni plus ni moins The Forest premier du nom, avec moins de contenu. Alors ok, il y a quelques nouveautés, je vous les ai énumérées tout à l'heure, hein, par rapport au craft, par rapport à la construction, ça franchement, c'est vraiment pas mal. Mais par exemple, ils nous ont enlevé les crafts des pièges. Voilà, tu peux pas crafter de pièges. Ok, encore une fois, early access, les mecs, ça, on va me le répéter dans les commentaires. Je suppose que ça va être amélioré dans les jours à venir. Hein. Peut-être même, voire dans la prochaine mise à jour. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont nous débloquer les pièges ou quoi, mais pour l'instant, tu peux pas crafter de pièges. Aujourd'hui, si vous voulez vous concentrer sur l'histoire de The Forest, les mecs, si vous voulez rusher l'histoire principale, allez, vous en avez pour 3 à 4 heures, les mecs. C'est tout, voilà. Vous n'êtes même pas obligé de construire de base, de maison.
Vous pouvez même finir le jeu avec la hache, si vous voulez. Juste la petite hache du début. Et là, dans ce cas, vous pouvez même speedrun le jeu en 2 heures, je suis sûr. En 2 heures, vous pouvez speedrun le jeu. Alors, n'allez pas faire ça parce que vous allez ruiner. Et vous allez même niquer votre expérience de jeu, les mecs. Ne faites surtout pas ça. Mais voilà, ça peut être un challenge, par exemple, si vous l'avez fini une première fois convenablement. Voilà. Si vous voulez, vous niquez aucun boss, les mecs. Vous avancez tête baissée, droit devant. Vous esquivez tout le monde. Et puis voilà, vous finissez le jeu comme ça. Ce serait bien sûr trop simple et ce serait idiot de finir le jeu comme ça. On est d'accord. C'est beaucoup de randonnées simulateurs entre un point A, un point B, le point C, les mecs. Si tu vas aller au point A, tu vas chercher quelque chose qui va te permettre d'accéder au point B. Au point B, tu vas trouver quelque chose qui va te permettre d'accéder au point C. Tu vas devoir revenir au point A parce qu'il y avait une porte où tu n'avais pas accès. Bref, voilà, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais c'est beaucoup de randonnées simulateurs entre la forêt. Donc. Voilà. Après, c'est pas mal. C'est super agréable de se balader dans la forêt. Hein. Voilà. Comme je vous dis, graphiquement, c'est super bien fait. Je vous le rappelle, mais vous pourrez, si vous le voulez, suivre mon let's play en intégralité sur ma chaîne gaming. Hein. Je la mettrai dans la description. Et vous verrez que voilà, je fais tourner le jeu au maximum de ses graphismes sur le let's play. Et ouais, ok, d'accord. Le jeu est super beau. Ça, franchement, pas de souci. C'est vraiment très réussi par rapport à ce niveau-là. Mais encore heureux, les mecs. On est en 2023. C'est normal. Voilà, au niveau de l'optimisation, alors c'est vrai que le jeu n'est pas super bien optimisé, hein. Faudra vraiment une machine assez costaud si vous voulez profiter au maximum du jeu, si vous voulez profiter au maximum de ce qu'il a à proposer visuellement, bien qu'au final vous pouvez toujours désactiver 2-3 options qui restent anecdotiques, hein. Par exemple le brouillard ou quoi, voilà. Il y a des choses que vous pouvez enlever histoire d'améliorer encore un peu plus vos FPS sur le jeu. Et du coup, je me rends compte que je reviens toujours sur les points positifs. C'est dingue, ça. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, les mecs, en son stade de développement, aujourd'hui, si vous faites Son of the Forest pour son histoire, vous allez gâcher votre expérience de jeu. Je trouve que le faire en l'état actuel des choses, c'est un petit peu gâcher son expérience de jeu. Après, vous pouvez le faire aujourd'hui en l'état actuel. Il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, je vais vous expliquer dans quelques instants 2-3 petits tips histoire d'améliorer grandement votre expérience de jeu. Ça va venir, ça va venir. Mais je continue un petit peu sur les points négatifs du jeu. Alors, les points négatifs, les mecs, si vous rushez l'histoire, vraiment, si vous rushez la quête principale, par exemple, la chasse, c'est complètement anecdotique, les mecs. Et je vous jure, vous n'aurez pas besoin de chasser pour vous nourrir. Moi, personnellement, j'ai pas tué une bestiole dans le jeu. Si, j'ai niqué un écureuil, mais c'est parce qu'il est passé à mes pieds, je voulais voir ce que ça faisait, c'est tout. J'ai réussi à l'avoir, voilà. Et j'ai pas eu besoin de chasser pour me nourrir, les mecs. Tu veux te nourrir? Tu demandes à Calvin. Tu dis, tiens, tu t'assois, tu te mets les pieds en éventail tranquillement, tu sirotes ton cocktail. Tu dis, Calvin, va pêcher tous les poissons de la mer et construis-moi une forteresse. Tu t'assois, tu le regardes faire, il va aller te pêcher 2 requins dans la mer, il va les ramener sur son dos, il va les faire cuire, il va même te donner la béquille et il va faire la vaisselle derrière, mon gars. Et toi, tu feras rien. Tu feras rien du tout. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de chasser. Voilà, tu trouves tellement de nourriture et tout, des trucs comme ça. Voilà, la chasse, c'est complètement anecdotique, les mecs. Les constructions de base, c'est complètement anecdotique. Encore une fois, toujours, je le rappelle, c'est si vous rushez l'histoire principale, mais faut pas jouer comme ça. Maintenant, on va passer aux 2-3 tips qui vont améliorer grandement votre expérience de jeu. Et franchement, vous allez voir qu'au final, Son of the Forest, les mecs, c'est un bon jeu de survie. C'est un bon jeu de survie, même en l'état actuel, en son stade de développement. C'est vraiment pas un mauvais jeu. Déjà, si vous voulez améliorer votre expérience de jeu, jouez en difficile. Partez en difficile, les mecs. Ne vous mettez pas en normal, et puis encore moins en pacifique. Hein. Voilà, ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Partez directement en difficile, vous allez vous rajouter du challenge. Moi, personnellement, avec Sophia, dont on l'a fait en normal, c'était trop facile, les mecs. C'était trop simple. Vraiment, on aurait pu finir le jeu avec la simple petite hache. On n'aurait pas eu besoin de tout ramasser. Voilà. Donc déjà, en difficile. Ensuite, quand vous commencez le jeu, les mecs, Calvin, soit ne le réveillez pas ou abrégez ses souffrances au pauvre, mais ne vous servez pas de Calvin. Voilà, c'est trop facile d'y dire, va pêcher tous les poissons de la mer, construis-moi une forteresse, et puis tiens, Calvin, va finir le jeu pour moi, et toi, tu t'assois, tu le regardes faire. Voilà, oubliez Calvin, les mecs. Ça, vous le laissez tranquille, vous le laissez dormir, vous abrégez ses souffrances, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, Calvin, les mecs, nous, on s'en est pas réellement servi avec Sofiane. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai voulu balancer une grenade à Sofiane. J'ai fait sauter Calvin. Mais je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte. Et avec Sofiane, on a continué l'aventure. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fout, Calvin? Qu'est-ce qu'il fout? Vraiment, tout le long de l'aventure, on s'est demandé qu'est-ce qu'il foutait. Et je m'en étais pas rendu compte, c'est que je l'ai fait sauter. Je m'en suis aperçu en rematant le début de mon stream. Et je me suis dit, ok, d'accord, j'ai lancé une grenade à Sofiane, mais c'est Calvin qui a sauté. Voilà. Et du coup, le pauvre, il est resté agonisé tout le long de l'aventure. Voilà. Du coup, on s'en est pas servi. Juste au début, il a pêché quelques poissons, machin, nana, il nous a ramené quelques troncs d'arbres. Mais voilà, oubliez Calvin, les mecs, mode difficile. Et surtout, surtout, ce qui va vraiment grandement améliorer votre expérience de jeu et ce qui va vraiment grandement améliorer,
comment dire, votre exploration, les mecs, c'est oublier le GPS. N'ouvrez pas votre GPS. Voilà, vous arrivez, le contexte il est posé, vous crachez, machin, nana, tu vois ce que je veux dire. Voilà, t'es là, t'es sur une île, tu survis, t'as pas de GPS. Ouvre pas ton GPS. Si tu commences à l'ouvrir, il va te dire, tu vas là, tu vas là, tu vas là, toi tu vas aller ici, 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 tu vas terminer le jeu. Voilà, si t'ouvres pas ton GPS, vous pouvez facilement, les mecs, augmenter, je dirais multiplier vos heures de jeu par 10. Facilement. Et là, ça va t'obliger à explorer la map. Vraiment. Et c'est comme ça, les mecs, qu'il faut jouer à Son of the Forest. N'ouvrez vraiment pas votre GPS. Le GPS, il n'est pas indispensable. Donc, je récapitule pour les trois tips, les mecs. Mode difficile, obligé. Calvin, grenade, pas de GPS. Voilà. C'est les trois tips qui vont grandement améliorer votre expérience de jeu. Et je vous assure que là, vous allez vous dire... Bah, déjà, ça va vous inciter plus à explorer. Parce que forcément, bah, gros, t'es lâché sur la map. Tu sais pas où aller. Tu vois ? Après, vous inquiétez pas, la map, elle n'est pas non plus si gigantesque que ça. Hein, je vous le rappelle. Hein, mais ça va vraiment vous obliger à explorer. Voilà. Et là, vraiment, je vous jure que vous allez multiplier au moins par 10 vos heures de jeu. C'est sûr, vous allez plus galérer, vous allez mettre beaucoup plus de temps à finir le jeu. Et aujourd'hui, en son stade de développement, c'est comme ça qu'il faut jouer à Son of the Forest. Calvin, grenade, mode difficile, pas de GPS. En conclusion, Son of the Forest, bah moi les mecs, j'ai bien kiffé, malgré qu'on a joué comme des idiots avec Sofiane. Hein, voilà, on n'a pas joué de la meilleure façon, encore une fois, je vous le dis. Mais franchement, j'ai bien kiffé et c'est un jeu que je vais suivre. Je vais suivre les prochaines mises à jour. Et j'y retournerai, c'est sûr. Et j'y retournerai peut-être en mode comme ça. Tu vois, ça peut être un challenge. En mode vraiment hardcore, comme je vous le dis. Hein, pas de Calvin, pas de GPS, pas de mode difficile, machin, nana. Tu vois, voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et si vous le faites comme ça, dès la première fois, là, vous allez avoir une bonne expérience de survie. C'est vrai que The Forest, premier du nom, moi, je l'ai toujours comparé à Stranded Deep, les mecs. Hein. Je trouve que les deux jeux sont vraiment comparables. Alors, dans un contexte différent, bien sûr, t'en as un, c'est en forêt, et l'autre, c'est perdu dans les îles du Pacifique. Mais je les ai toujours un petit peu comparés en termes de survie, et j'ai toujours trouvé Stranded Deep au-dessus, en termes de survie. Voilà, par exemple, dans Stranded Deep, truc tout con, les mecs, hein, mais tu vas devoir filtrer ton eau pour que la purifier, machin, nana, histoire de la boire et tout, tu vois. Dans The Forest 2, les mecs, tu vas à la rivière, tu bois, c'est fini. Voilà. T'as pas de maladie ou quoi, machin, nana. Non, c'est tout. Tu vas dans la rivière, tu bois. C'est limite presque tu bois l'eau de la mer, tu vois. Voilà, ils ont pas été jusque-là, je vous rassure, hein, mais presque. Dans Son of the Forest, les mecs, vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas mourir de soif. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'ai toujours comparé ces deux jeux-là, que ce soit The Forest 1 et Stranded Deep. Et pour moi, Stranded Deep était au-dessus de The Forest 1. Voilà. Et aujourd'hui, encore actuellement, pour moi, Stranded Deep, il est au-dessus, en termes de survie, il est au-dessus de The Forest 2. Même en termes de survie, en termes d'exploration, il est au-dessus. Voilà. Alors, bien entendu, voilà, Stranded Deep, les mecs, c'est un jeu qui commence à dater graphiquement. Son of the Forest, il éclate Stranded Deep, il est bien au-dessus. Même si Stranded Deep, il est super joli, les mecs, hein. Même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023. Mais je kifferais vraiment que les développeurs de Stranded Deep sortent un peu les doigts du cul et qu'ils nous sortent un 2, tu vois. Ça, ce serait vraiment génial. Tout comme les développeurs, ils ont fait avec The Forest. Voilà, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont toujours pas fait. Stranded Deep, ça a été un carton au niveau des ventes. D'ailleurs, les mecs, petite stat comme ça, Son of the Forest est passé numéro 1 des ventes mondiales sur Steam. Des ventes mondiales, hein. Voilà, il est passé devant Hogwarts Legacy. Et je vous rappelle que c'est un petit studio indé avec une poignée d'une dizaine... De personnes qui développent le jeu, hein. Donc là chez Avalanche Studio, ils sont en train de tirer la gueule, ils se disent mais attends, comment c'est possible. Voilà, il est passé numéro 1 des ventes mondiales, c'est un truc de ouf. Donc là je vous raconte même pas, les développeurs ils sont passés multimillionnaires en l'espace de quelques jours. Donc franchement ils ont le budget, ils ont toutes les cartes en main pour faire de Son of the Forest la référence des jeux de survie. Maintenant c'est à eux de bosser dessus, tu vois, je veux dire. Gros, avec tout ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires, ils peuvent carrément augmenter les effectifs et tout, tu vois, embaucher du monde, histoire de faire un truc de ouf. Moi, franchement, je veux pas qu'ils fournissent la map de Son of the Forest. Je veux pas qu'ils fournissent la map. La map, elle est déjà pas assez grande, je trouve. Voilà, alors, c'est vrai qu'elle est... Bon, elle est relativement grande quand même, mais elle est pas non plus si grande que ça. Je veux pas qu'ils la fournissent. Et s'ils la fournissent, faut qu'ils l'agrandissent. Voilà. S'ils veulent rajouter des choses... Faut qu'ils agrandissent la map. Et là, vas-y, rajoute des choses, fournis-la. Mais fournis pas la map en sa taille actuelle. Tu vas juste rajouter du bordel et tout, tu vois, voilà. Bien qu'encore une fois, ils pourraient rajouter 2-3 trucs ici et là. Bref, les mecs, écoutez, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, en repartant, si vous avez kiffé ma vidéo, les petits tips et tout que je vous ai donné, lâchez le petit pouce en l'air. Et puis, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Restez branchés. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Jolat.